on te rit d'un clown, pourquoi pas toi? Tout le monde aime bien les clowns, pourquoi pas toi? On dit bonjour les petits et les grands. Bonjour les petits et les fins. Tu te trompes, il n'y a pas d'éléphant ici. Il n'y a que des enfants et des grands. Alors on dit bonjour les petits et les grands, abrutis. Bonjour les petits et les fins, abrutis. Tu balais? Je balais. Et moi je reviens. Et toi tu reviens. Je vais revenir. D'accord. Et moi je reviens. Oui. Mais je vais revenir. Tu reviens? Je vais revenir. D'accord. Et moi je reviens, je vais revenir. Oui, et moi je balaye pendant que tu reviens. Voilà. Bon, alors donne-moi ton balai. Moi je balaye tout, hein. Je balaye les enfants. Hein, tu vois. Vois si t'es propre toi. Non, non, c'est bon. Non, t'es propre. Moi aussi, je suis propre. Là, je vois qu'il y a des cadeaux qui traînent. Alors, à mon avis, il faudrait que je les balaye aussi. Je vais prendre deux ou trois cadeaux, ça fera toujours plus propre. Mais attendez, hein, vous ne lui dites rien, hein, vous ne dites pas que j'ai pris les cadeaux. Je vais les emporter pour chez moi pour Noël. Mais vous ne lui dites rien, hein. Philippe! Il a pris les cadeaux! Il n'a pas du tout. Il a pris les cadeaux! Il a pris les cadeaux! Philippe, il a pris les cadeaux? Oui! Les cadeaux qui étaient là? Oui! Il en a pris deux pour les cadeaux! Vous êtes sûr? Oui! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les cadeaux? Oui! Les enfants me disent que tu as touché les cadeaux, que tu les as pris. Moi? Non! Attends. Les enfants, est-ce qu'il a pris les cadeaux? Oui! Il a pris les cadeaux? Oui! Non, j'ai rien pris! Si! Je crois que ce sont des menteurs! Non! Oui. Ce sont des menteurs? Oui, ce sont des menteurs! Non! Les enfants, est-ce que Filippo, il a pris les cadeaux? Oui! Moi, je sais celui qui a pris les cadeaux. Ah bon? Oui. Qui est-ce? C'est lui, là. Non! Tu as pris les cadeaux? Non! Alors, qui est-ce? C'est Filippo! Filippo! Mais non! Regarde, il n'y a rien dans mon sac! Mais il les a mis quelque part! Bon. François 1er. François Hollande. François Hollande. Bon, je commence à en avoir assez maintenant, hein, cette histoire. Bon, vous allez voir, je vais finir ça. Ici, attends pas, celle-là. Lorsque j'étais en Sicile. En Sicile, j'étais aussi. Il y avait un imbécile. C'est
j'étais en Sicile et il y avait un imbécile. Oui. Et moi, j'étais déjà parti. Oh. Il est derrière toi. Mais là, c'est un fauteuil. Oh non. Derrière lui. Il y a quelqu'un. Regarde, il bouge. Il y a ton copain derrière. Il y a cassoulet. Les fauteuils, ils parlent ici. C'est un cassoulet. Oui. C'est cassoulet. C'est cassoulet derrière. Regarde, je vais me retirer. Mais non. Mais on dirait un fantôme. C'est allez, oh. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette valise là. C'est ma valise. Oui, je sais qu'elle est à toi la valise, mais moi je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette valise. J'ai ma valise. Alors vous allez compter jusqu'à 3. Allez les enfants, aidez-moi. On y va. Il y avait un pétard dans la valise. C'était une valise piégée. Qu'est-ce qu'elle a dans cette valise? Oh, qu'est-ce que c'est? Une culotte. Voici. C'est une culotte? Oui. Dis donc, cassoulet. Qu'est-ce qu'elle fait cette culotte dans ta valise? C'est sa culotte. C'est sa culotte? Il a pas mis sa culotte. T'arrives à mettre tes grosses fesses dans cette culotte? Tu vois plus rien? Non. Il est beau, cassoulet? Je te serre si tu dis que je suis pas beau. Je serre fort. Non, parce que si tu dis qu'il est beau, c'est que tu vois rien. Moi, je suis un grand magicien. C'est là que je fais des tours de magie. Je suis un magicien. Tu as mangé du chien? Mais non, j'ai pas mangé du chien. Tu es boucher? Tu as acheté du chien chez le boucher? Non, toi tu es boucher. C'est là tu comprends rien. Tu m'as dit j'ai mangé du chien que j'ai acheté chez le boucher. Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai dit je suis magicien. Je prends cette fleur, je la pose sur la valise. Je mets mon chapeau sur la fleur. Je dis une formule magique et sans que je touche le chapeau, la fleur, elle va partir. Sans que tu touches le chapeau, la fleur, elle va partir. Oui. Vas-y. Alors, je vais dire la formule magique. Attention, abracadabra. Ah quoi, c'est pas ça? C'est pas une formule magique qu'il faut dire. C'est quoi? C'est cacahuète à l'échoir, chewing-gum mon petit pois, fleur, casse-toi. Ça a changé alors. Cacahuète à l'anchois. Fleur ou... Non. Cacahuète à l'anchois. Chewing-gum, petit pois. Fleur, casse-toi. Un vent magique. Pff. C'est le vent magique. Hein. Ça y est, elle est partie, la fleur. Maintenant, elle est partie. Ton odeur, elle est pas magique. Hein. Mais la fleur est partie. La fleur elle est partie sans que je touche le chapeau. Non. Elle va t'accoucher, allez, allez. Eh ben j'ai gagné, hein. Regarde, la fleur elle est partie et j'ai pas touché le chapeau. Ah, tu et voilà. Et voilà. Bouge pas, j'ai misé bien, tu vas voir. Je le mets sur ma tête, hein. Ouais, elle est pas tenue. Je tiens, allez, tu ne vas pas t'échapper. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Regardez.
ça par là. Attrapez les jambes. Attrapez les jambes. Non, non, il faut les soulever. Oh. Il se relève, tenez-le bien. Attrapez-le de ce côté. En plus, faites attention, il pète souvent. Il a la tête pétée, mais il ne peut pas par la tête. Ça y est, ça y est. Il se réveille. Bonjour. Ah, ça va bien. Tu nous as fait peur, hein. Ah, ça va mieux. Ah, eh non, tu la perds pas. Tiens, je te la fais sauter, là. C'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. La petite, petite marionnette qui s'étale et qui s'entête, c'est l'enfance qui revient le soir où tu as du chagrin. Quand ta vie se prenne, quand t'as de la peine, quand personne t'aime, que t'as des problèmes. Quand la vie est dure, plus d'une aventure, bien que des blessures, vilaine figure, ne pleure pas, ne t'en fais pas, regarde-moi, et n'oublie pas le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. C'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. La petite, petite marionnette qui s'étale et qui s'entête, c'est l'enfance qui revient le soir où tu as du chagrin. Alors ceux qui dansent pas, vous allez chanter avec moi. Tout le monde chante. La 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 la.